Et on fait le total des scores. 290 points pour le lycée moderne à Audienné qui est bien remonté. 210 points pour les challengers de Mancono. Vous faisiez la course en tête depuis le début du jeu, il fallait rester concentré. On vient se congratuler. Audienné a réussi son coup. Pour leur deuxième match, les joueurs du Kabadougou s'imposent face au lycée moderne de Mancono, 290 à 210. Ça mérite bien quelques photos souvenirs avec Juliette, l'animatrice. Comment vous sentez-vous après ce match ? Nous sommes satisfaits de notre travail. Même, bon, on n'est pas encore au point, mais déjà nous sommes satisfaits. Dans quelle rubrique avez-vous fait la différence ? L'acrostiche et puis les mots décalés. Surtout lui, Trésor, qui nous a fait 60 sur 80. Il est trop fort, le gars. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait votre avantage dans cette partie ? La maîtrise en soi, la rapidité et puis aussi notre assurance. Y a-t-il eu des changements dans votre équipe ? Bon, nous avons gardé la même équipe. Nous avons gardé la même équipe parce que nous sommes dit que il ne fallait pas blâmer la première équipe. Surtout que nous sommes à notre première participation. Bon, par ailleurs, le règlement interdit aussi le changement du joueur, sauf cas de force majeure. Comment on se sent après une telle victoire ? Après le premier match, lorsqu'on a perdu, c'est vraiment triste. Et après, mes amis de Guinée, moi, on va dire qu'on n'est pas en train de gagner. Donc, cette fois-ci, on a décidé de gagner ce qui n'a pas marché. Quel moment du jeu a été décisif selon vous ? À vrai dire, comment il a pu trouver des mots décalés pour le temps à 210 points de voix ? Bon, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'étais inspirée. Je sentais que. Ah, 100 points. Je sentais même que non, eux, ils avaient un peu de valeur comme un peu le courage d'après. Merci. Et on fait le total des scores. 290 points pour le lycée moderne à Audienné qui est bien remonté. 210 points. Pour les challengers de Mancono. Nous avons échangé avec l'équipe de Mancono après le match. Selon vous, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Bon, je crois que c'est au niveau des mots décalés, qu'on a beaucoup travaillé dessus, mais bon, on n'a pas eu la chance. Donc, c'est, bon, je peux dire que c'est la chance, mais qui ne nous a pas souri. Sinon, au début, on était, je crois bien, on a dépassé de 100 points. Voilà, et bon, à la fin, ils nous ont dépassé. Donc, bon, c'est la chance qui n'a pas souri, qui n'a pas été de notre côté. Comment comptez-vous aborder votre dernier match ? Bon, on va rentrer tout d'abord pour aller se soulager, se calmer. Et puis on va essayer de se préparer pour le match de demain. Puisque bon, le match de demain, ça sera un match, on peut dire, d'honneur. Et surtout, surtout, ne manquez pas la quotidienne de l'émission de Culture Générale, Génie en Herbe. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Demain, c'est mon anniversaire et je suis donc à l'honneur. Je souhaite que c'est un an de plus, beaucoup de réussite, donc tout ce que je veux. Cette semaine, nous sommes tombés sous le charme de l'équipe du lycée de jeunes filles de Boaké. En effet, nos Amazones venues du Grand Centre ont su se mettre à la hauteur de l'événement. Toutes, très calmes et posées sur le plateau, elles ont montré à tous l'intérêt d'avoir une équipe complémentaire. J'aimerais d'abord les féliciter parce que je les ai beaucoup sous-estimées. Parce que chez moi, ce n'était pas normal que des filles, en plus de petite taille. Parce que je les ai vues, elles ont des petites tailles. Donc je me suis dit, ah, mais de toute façon, je les ai vues, elles sont des filles faciles, on peut les battre et puis c'est fini. Donc j'ai dit à mes amis que celles-là ne peuvent pas nous battre, si elles nous ont battu, moi je ne mange pas. Et puis nos adversaires nous fixaient beaucoup alors qu'ils étaient tous des garçons, mais ça ne nous a pas intimidés. On a joué notre match comme on devait le faire avec nos connaissances et on a gagné. Et j'ai été surpris. Parce qu'elles nous ont laminé. Elles nous ont laminé. Oui, 380 à 160. Ouais, 380 à 160. Donc j'aimerais les féliciter, leur souhaiter bonne chance pour la suite. Peut-être on ne sait jamais, on peut se rencontrer en finale et nous allons prendre notre revanche. Ça, elles doivent en être sûres. La vie sur le campus, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain. Au revoir.